Voice of Cameroon. La voix de l'espérance. L'allée qui est en ordre de bataille derrière Paul Biya en 2025 ou avant. La cloche de la mobilisation qui a retenti ce 4 février 2024 dans les murs de la maison du parti de Mona Télé a meublé le décor de ses assises présidées par le ministre Henri Eyebaïsi et auxquelles ont été conviées toutes les sections RDPC du département. Les victoires de demain sont celles qui se construisent aujourd'hui, a-t-on rappelé aux militants. Nous avons élaboré un agenda politique de référence du RDPC pour que la préparation des échéances et des échéances des scrutins électoraux de 2025 se fasse dans un esprit de mobilisation totale de ces populations. Quelle va être sur le ministère électoral pour garantir le succès des performances habituelles du RDPC du président Paul Biya en 2025. Le triomphe qui est promis aux idéaux de rigueur et de moralisation s'abreuve à toutes les réalisations accomplies par le renouveau sur les terres du pays étonne. Une invite donc à retourner l'ascenseur acquis de droit. Nous avons cette annonce forte de la poursuite du chantier de la boucle routière de la Zéquille. Nous avons l'annonce forte du barrage de l'Artigal qui va prendre... Nos travaux seront achevés en 2024. Nous voulons saluer, en tant qu'état-major, au nom des populations, ces annonces par le président de la République. Je voulais féliciter la République pour tout ce qu'elle fait pour vivre la flamme RDPC. Et je crois que dans la perspective des séances à venir, elle vient de montrer avec éclat qu'elle sait se mobiliser pour atteindre les objectifs qui ont été présentés par M. le ministre. La flamme du renouveau ne s'éteindra point dans la Léquée. La promesse est du personnel politique de ce département. Nous avons déjà le sommier et maintenant nous allons contrôler l'effectivité. Par exemple, dans la section RDPC Léquée Ouest 1, nous avons déjà nos militants inscrits. Nous avons 78 bureaux de vote. Nous allons contrôler si tous nos militants ont leur carte.